Alors, oui, je sais, on se retrouve pas au même endroit que d'habitude, mais ça, on est parce que on est dans un épisode bonus. Ici tout le monde, ici les Coscraft qui l'a pour vous, mais on se retrouve pour un nouvel épisode, ce qui est un petit peu bonus. Oui, parce que là, on se fait un petit temps de pause là avant de retourner bâtir pour buter du titan. Aussi, donc, après, si vous aussi acheter quelques extensions donc de jeux dans la boutique Marche Xbox, et ben, je vais vous faire un petit peu la présentation qui sont dédiées aux personnages ci-dessous. Allons découvrir ça ensemble. Donc là, on a réussi donc dans le menu, vous aimez un peu le personnage donc que vous utilisez en fait dans le mode histoire. Et ben, vous voulez savoir quoi? Et ben, si ces personnages-là, vous pouvez coller mettre bien sûr un petit costume spécial pour. Alors, je tiens à préciser encore un truc que vous pouvez mettre ces costumes uniquement dans le mode un petit peu mode bonus. Ils appellent ça le Annotator Mode. En gros, c'est vous pouvez aucunement en mettre un costume spécial, mais vous pouvez que le mettre que si vous voulez dans le mode un peu bonus et non pas dans le mode histoire générale. Hein. Oui, ça c'est vraiment okay. Très dommage parce que ça aurait été bien marrant, mais aussi je crois même que ça va faire un petit peu guacan. Mais c'est pas tout ça, mais il est temps de choisir Oko un personnage. Bon, là, Oko, maintenant on va commencer avec nos chers errants. Et allons voir qu'est-ce qu'il a comme costume. Bon, bien sûr, on va faire encore une partie en ligne. Parce que je sais, parce que quand j'ai commencé, j'étais au cours de la partie en ligne. Et par contre, il n'y avait pas beaucoup de monde qui passait quoi. Il y en a certains qui passaient il y a pas quelques minutes. En gros, j'ai revenu un petit peu à la bourre. Mais quand on va découvrir au cours les costumes de chacun. Et vous allez voir, ça va être très guacan. Et bien pour ça, pour avoir accès aux costumes, bien sûr, que vous devez. Bien sûr, pas sur chez Xbox One. Et bien, vous rentrez là. Bien sûr, vous appuyez sur A. Et quand vous arrivez ici, en fait, vous avez bien sûr toutes les tenues qui sont ici. Hein. Bâton d'exploration, l'entraînement, avec la cape. Vous avez encore le sans veste. Et là, bien sûr, là, vous avez le chemise. Et bien sûr, là, ce que je vais lui mettre, c'est tenue de mauvais garçon. Ah, putain, ce qu'il comprend. Après, il y avait sûr, je remets le truc, genre chemise là où il est un peu, genre normal. Et ben, on va lui mettre que la tenue de mauvais garçon et on va voir ce que ça donne. Et oh putain, Monsieur Errant, on dirait un Jojo's de Jojo Bizarre Aventure. Putain, mais ça fait tellement le style tout ça. Bon, après, par contre, bien sûr, quoi, c'est que vous pouvez que vous balader, faire des petits combats, tout ça avec la tenue, mais vous pouvez pas faire encore en mode histoire et c'est vraiment trop dommage. Car si j'avais mis tous les costumes là, là ça aurait été vraiment un piste un peu guacan, c'est tout très marrant. Mais bon, quand même, le costume il va bien avec Errant. Bon, c'est vraiment genre Jojo Bizarre Aventure là, avec genre la casquette, la cape, et ce style tellement muscushy. Non mais, ça sent trop bon. Bon, c'est pas tout ça, mais passons au suivant. Ah oui, j'avais carrément oublié Oko, donc voici un petit peu donc Errant avec sa petite chemise quoi. Donc quand même qui est vraiment très classique en soi, mais quand même qui a une petite touche. Ouais, en général c'est la petite touche qui te met quoi, mais qui est, bah voilà. Bon, on passe au suivant, parce que là, je sens que c'est très marrant cet épisode. Là maintenant on se retrouve avec bien sûr Mikasa donc dans une tenue qui se nomme la tenue ninja. Alors je vous ça a un certain charisme et surtout c'est assez kawaii tout ça parce que quand même quoi avec bien sûr la tenue, la petite queue de cheval un peu par ici, la tenue rose, la grosse bobine derrière son dos avec les titres ficelles, ça rend bien tout ça. Bon après pour vous aimer, je vais pas faire côté ça pendant quoi parce que je me dis c'est un peu pareil quoi, mais après c'est assez bon tout ça, mais quand même c'est un certain charisme. Non mais quand même c'est pas mal, c'est vraiment très beau. Bon après sur Oko, il y a aussi entre une deuxième et un troisième costume Oko dédié au personnage en général, mais j'ai plutôt pris en général la première en général qui me plaît le plus pour vous faire une petite comparaison. Bon, au suivant. Là donc maintenant nous sommes avec notre cher Army qui est ici. Alors là c'est aussi qui est dans sa tenue enfant, donc genre casquette, lunettes, salopette, un petit t-shirt un peu je crois même militaire et tout. Quand même on peut dire que quand je le vois comme ça, on essaie de penser à Billy ou à Simon. Le Simon Belmont qui veut pas manger ses frites. Carrément. Non mais genre dans cette tenue là, alors dites-moi en commentaire si vous voulez que donc que quand Army est dans cette tenue, vous voulez surnommer le Billy ou le Simon Belmont qui veut pas manger ses frites. Alors quand même la petite tenue est franchement sympa, ça cool, c'est... Non, aujourd'hui c'est très joli tout ça. Non, franchement, c'est nickel. Allez, au suivant. Là maintenant, là, on est passé maintenant avec notre petite fille qui se nomme Anine. Ensuite, ici, là, je lui ai pris deux tenues spéciales. La première, donc, est celle-ci qui est la star de la pop. Alors je vois quand même que c'est vraiment très sympa, mignon.
Et surtout, ça a l'air vraiment de ressembler un peu à, bien sûr, les stars de la pop. Hein. Dis donc, t'imagines, tu fais un combat titan, et dès bien sûr que elle est gagnée, elle commence directement à chanter. Quand même, c'est pas mal ce petit costume. J'avoue que c'est vraiment parfait. Alors par contre, ce petit bug, par contre, c'est que ses mains traversent sa jupe. Alors je sais pas du tout là qu'est-ce qu'ils ont oublié, mais je crois peut-être que c'est soit c'est un bug du monde, ou soit les développeurs ils ont carrément oublié de corriger ça. Hein. Parce que là, si vous voulez, ça passe à travers. Et même en courant, ça va, ça peut aller, mais par contre, on vraiment, genre, mais pitié quoi, mais un peu plus de respect quoi. Non mais, allez, passons à l'autre costume. Alors là, oui, je sais là c'est la deuxième tenue qui est sur la tenue de motard, tenue biker. Alors je sens là que si vraiment là dans ce monde il y avait des motos, là je crois qu'elle a profité de faire un petit tour. Attends, c'était quoi? Léo, eh. Oui, parce que là, on va faire fumer, parce que elle, c'est une moto, et elle aurait fait fumer un peu, pas le bitume, mais toute cette terre là avec les titans, et même aussi, elle aurait peut-être roulé dessus sur les titans. Là, j'avoue que cette tenue est très cuir moustache. Mais vraiment, c'est vraiment, ça passe tout comme tout, et surtout, joli, quoi. Mais voilà, on perd que Anine a vraiment de beaux costumes. Bon, c'est pas tout ça, mais au suivant. Oui, je sais, là, c'est très impressionnant. Là, on se trouve encore avec Connie, enfin, ouais, je crois que c'est Connie. Ouais, Connie, donc, dans sa tenue, apparemment, de Kung-Fu. Moi, j'appelle ça un peu la tenue Saitama. Ouais, genre One Punch Man, parce que là c'est plus ça ressemble à ça. Bon, ça dit quoi je veux dire, la tenue est jaune, il a un peu les gants blancs, il a le cap. Bon, enfin, c'est presque le One Punch Man de l'attaque des titans, mais quand même quoi, du coup de fou, je dirais, moi je parlerai pas du tout comme ça, mais après, voilà quoi. Non, mais la tenue va bien, et après, quand on a une écharpe, au moins, s'il y a un truc qui est pas mal, c'est que c'est au moins animé. Par contre, là, pour tourner là, je peux. Enfin, on peut pas se faire recoller sur de l'homme si on arrive à tourner comme ça. Mais quand même, c'est... Bah, ça rend bien. En tout cas, par contre, l'animation de la cape, elle, est en moins cohérent. Bon. Au suivant. Oui, je sais, ça peut être très embarrassant, mais voici Sacha en Pom-Pom Girl. Mais attention, pas Sacha de Pokémon, mais Sacha de l'attaque des titans. Alors là, c'est un peu la tenue de Pom-Pom Girl. Alors j'avoue qu'il est un peu marrant, parce qu'elle tient, bien sûr, les popons dans ses mains. Elle a une petite jupe, tout ça, une papillon, bref, c'est... J'avoue qu'il y a un côté un peu marrant. Et surtout, elle a une étoile sur le front, je veux dire, de la droite, voilà, de la joue droite. Parce que là, sinon, ça aurait été de sa gauche. Donc voilà, donc, tenue de pop girl assez, enfin, tenue de pop vraiment sympa. Mais attention, elle a un deuxième costume. Là, maintenant, le second costume, donc, qu'elle porte maintenant aussi, ça se nomme la tenue sport. Alors par contre, j'aimerais avouer un truc, cette tenue est franchement pas mal, avec un petit chapeau derrière. Alors j'avoue qu'apparemment ça, c'est un sac à patates. Bon, j'avoue que pour un sac à patates là, c'est un peu moche, parce que là, on dirait là, c'est plus un truc là qu'ils ont appris comme sur le fanat et qu'ils ont un peu, voilà, enroulé autour. Mais après, la tenue est vraiment pas mal, ça rend bien. Après, tenue sport, ça, c'est assez spécial, alors j'avoue quand même, je trouve ça un peu bizarre, mais quand même, ça rend bien. Bon, quand même, là, pour retenir du sport, faut mettre un petit peu... Attends, on va aller tout là-bas. Faut pas, c'est un peu de Rocky, quoi. Mais après, sinon, ça passe, hein. Ça a fait le café. Bon, c'est pas tout ça, mais passons à l'autre personnage. Oui, je sais, ça peut être aussi embarrassant avec ça, mais voici Krista en tenue de Gauthier. Alors, au Gauthier, je dirais pas non, mais là, vous avez mis un peu la tenue... très bon, j'avoue, côté, mais surtout sérieuse. Bon, on a toujours le même bug, c'est que ça traverse encore la jupe. Non, mais sérieusement, depuis quand ils ont encore. Mais c'est qui les gens qui connaissent ça, quoi? Genre là, ça passe à travers. Bon, ok, je vais pas comprendre un truc là, mais quand même, quoi, mais un petit peu de fort, merde. Mais quand même, c'est quand même beau tout ça. Bon, déjà, au pire, ça fait un peu genre une serveuse, mais quand même, ça fait le café. Voilà, c'est ça, ça fait le café. Elle fait le café, elle te fait tout, elle te fait même le thé. Bon, après, quand je vais venir pour le titan, ça va être un peu compliqué pour ça. Mais, petite tenue sympa. Bon, allez, passons au suivant. Oui, là, j'avoue que quand elle te regarde, tu as à faire très attention. Sinon, elle risquerait encore de te faire très mal. Oui, donc là, on se retrouve encore avec Irm, comme ça, c'est comme apparemment, j'espère que ça se dit. Et bien, on se retrouve encore dans une tenue qui se nomme la tenue Miko. Oui, la tenue Miko. Alors, j'avoue que cette tenue est légère, très simple. Après, quand même,
au moins il y a de la gravité, de la cohérence. Bref, ça va nickel. Non, c'est parfait. Ça rend bien avec, et surtout, vraiment, c'est... Non, c'est sympa, et surtout, c'est... Voilà. Voilà, c'est tout. Il y a rien d'autre à dire, hein. C'est... Voilà. Ça va nickel. Bon, au suivant. Alors là, oh mais qu'est-ce que ça lui rend tellement bien, ce que tu cuis en cul avec une moustache. Alors oui, là on se retrouve avec nos chers Living, non c'est Living, ouais Living, et là, là il porte une sorte de veste en cuir, avec le logo dessus, et là franchement, ça lui rend tellement bien, avec les cheveux un petit peu coiffés, et là, en plus il a le style particulier. Oh, yeah. Pardon pour ça, mais là, ça lui rend tellement bien, tout ça. Là, il a plus de charisme. Là, c'est mieux. Là, alors qu'il est là, qui est grand, prépondré toutes les nanas de cet univers. Mais le suivant. Oui, là maintenant, on va conclure avec le cher Ewing, donc le commandant, dans sa tenue de chevalier. Oui, le chevalier des attaques de titan. Et oui, parce que lui fait quelqu'un au père, donc celui, il a le droit au coup à une putain d'armure qui pue le style. Et là, je vois que quand même là, bon, à mon avis, ça doit être dur de transporter quand même tout ça, parce que t'imagines un peu le boucou qui doit faire quoi. Mais quand même, de Dieu là, on va dire qu'il a carrément un super charisme, quoi. Avec tout ce métal qu'il a autour de lui. Non mais, ça rend vraiment super bien. Apparemment, il y a une touche pour courir. Attends, c'est quoi déjà? C'est pas RT, RT, ah non, c'est RB. Ah ok, je vois ce que c'est. Par contre, si on maintient, il peut courir super vite. Voilà. Et là, il court pour affronter. Bon, par contre, c'est une courte durée. Hein. Mais quand même, ça lui rend super bien, quoi. En plus, le côté vraiment très mastoc. Bon, je crois bien qu'on a fini avec les personnages et tout. Je crois bien qu'il est temps de conclure tout ça. Et bien, je crois bien qu'on va pouvoir s'arrêter le coup pour ce petit épisode bonus Guacan. Mais que je me dis que Coco a été plutôt sympa à le faire. Bon, oui, je sais au cas où, je vais vous montrer tous les costumes à tous les personnages. Mais au cas où, par contre, je sais que c'est ceux, en fait, qui m'ont été, par contre, pour moi, le plus, plus intrigué. Et surtout ceux qui m'ont, surtout ceux qui me plaisaient le plus. Donc, du coup, on a fait un test et tout. Bon, après, je vois pas au cas où, c'est presque, je crois, 9 ou 12 francs par costume. Mais en tout cas, par contre, là, si vous voulez au cas où, les utiliser au cas où, mais uniquement pour le mode bonus, parce que oui, parce que dans le mode bonus, il n'y a que ici vous pouvez utiliser les costumes, et non pas dans le mode histoire, parce que quand même, il faut pas déconner dans la vie, et surtout, ça aurait été au cas où un putain de désastre, et aussi à la chronique. Donc voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour, et j'avoue qu'ils sont vachement pas là les uns que les autres. Bon, allez, c'est déjà la fin de cet épisode extra guacant, donc n'oubliez pas de liker, commenter et partager avec nous, donc aussi de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je vous enverrai une nouvelle vidéo. Allez, moi, je vous laisse, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, mais c'est aussi pour continuer un peu notre histoire, parce que je sens qu'on approche la fin. Allez, tchuss !